Bonjour à tous, dans cette vidéo, on corrige les trois derniers exercices du TD, enfin de la feuille de TD sur les déterminants. Et on commence par l'exercice 12 où il s'agit de calculer le déterminant dit de Vandermonde. Je vous avais donné des indications à la suite de l'exercice 11. Mettons d'abord les notations en place. On prend n réel avec n appartenant à n étoile. N supérieur ou égal à 2. Enfin bon, on pourrait même imaginer n égale à 1. On pose Vn de A1 à 2 jusqu'à An. Le déterminant constitué, alors, soit en ligne, soit en colonne. Vous savez que le déterminant d'une matrice est égal à au déterminant de sa transposée. Donc on peut imaginer la même chose en colonne. Mais là, j'ai mis en ligne les puissances successives des réels A. La 0ème, 1ème, 2ème. Donc ici, vous avez 1, A1, 1 à carré. 1 au cube jusqu'à 1 exposant n moins 1. Deuxième ligne, 1 à 2 à 2 carré, à 2 au cube jusqu'à 2 exposant n moins 1. Et enfin, dernière ligne, 1 à n carré jusqu'à n exposant n moins 1. Il est important de s'arrêter à l'exposant n moins 1 pour que le déterminant soit nn. Par exemple, V2 de réel à 1 et à 2, ce serait tout simplement 1 à 1, 1 à 2 en ligne, et donc à 2 moins à 1. À 2 moins à 1, que d'ailleurs on peut écrire à 2 moins à 1 comme le produit des 1 plus petit que i, strictement plus petit que j, plus petit que 2, à j moins à i. Hop, parce que en effet, des ij entre 1 et 2 avec l'un strictement plus petit que l'autre, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre j égale 2 et i égale 1, ça fait bien à 2 moins 1. On a vu à l'exercice 11 que le déterminant de Vandermonde 3,3 concernant les réels A1, A2, A3, autrement dit 1 à 1 à 1 carré, 1 à 2 à 2 carré, 1 à 3 à 3 carré, valait à 2 moins à 1, à 3 moins à 1, à 3 moins à 2. C'est-à-dire le produit des AJ moins AI, mais cette fois, les I peuvent varier de 1 à 3. Donc ici, vous avez la possibilité pour i de faire ij, hein, de faire 1, 2, ou 1, 3, ou 2, 3. Voilà. Alors, on suppose, puisque l'énoncé nous dit utiliser un raisonnement par récurrence, on suppose que pour n fixé supérieur ou égal à 3, le déterminant de Vandermonde concernant les réels A1 jusqu'à N, c'est le produit pour I strictement plus petit que J, inférieur ou égal à N, des AJ moins AI, le produit de toutes les différences possibles AJ moins AI avec J indice plus grand que indice I. Alors, bon, c'est vrai pour N égale 2, c'est vrai pour N égale 3, là, hop. Et ben il reste à montrer que si c'est vrai pour un n fixé, c'est vrai pour le n suivant. Alors, c'est là qu'on nous dit de nous inspirer de l'exercice 11. Pour x appartenant à R, on va poser alors un polynôme, en tout cas, on verra, mais quelque chose qui ressemble à ce que l'on a fait dans l'exercice précédent, à savoir 1 à 1. A1 au carré, attention ici, A1 exposant n, je vais jusqu'à A1 exposant n moins 1, si vous voulez, là je l'écris A1 exposant n moins 1, mais je n'ai pas, je vais jusqu'à A1 exposant n, puis 1 à 2, à 2 carré, 3 petits points, à 2 exposant n moins 1, à 2 exposant n, ici l'avant-dernière ligne, 1 à n carré, A n exposant n moins 1, A n exposant n, et en dernière ligne, 1 x carré, x exposant n moins 1 et x exposant n. Remarquez que cette fois, c'est un déterminant de taille, si j'ose dire, n plus 1, n plus 1. L'idée, ben, c'est de le développer par rapport à sa dernière ligne, pour montrer d'une part que c'est un polynôme, effectivement, de degré inférieur ou égal à n, et d'autre part de le factoriser, comme on a fait dans l'exercice précédent. Alors, on va le regarder déjà ici, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure.
Vous voyez que dès que x prend l'une des valeurs a1, a2 jusqu'à an, il y a deux lignes qui sont égales et le déterminant est nul. Donc les réels a1, a2 jusqu'à an annulent p de x. Intéressant à savoir pour la suite. Alors pour l'étude de P de X, on a vu que deux cas quand même étaient à distinguer. Celui où les réels A1 jusqu'à N sont deux à deux distincts, et celui au contraire où au moins deux d'entre eux sont égaux. Alors commençons peut-être par ce cas-là, où ils sont deux à deux distincts. On remontera au cas ci-dessus pour voir si nos résultats sont toujours valides. Si les A1, A2 jusqu'à N sont 2 à 2 distincts, je vous rappelle notre hypothèse, c'est que Vn de A1 jusqu'à N, c'est le produit des AJ moins AI pour J strictement plus grand que I. Mais dans ces cas-là, ça c'est différent de 0. Puisque aucune des différences là ne vaut 0. Alors j'ai réécrit ici ce qu'on avait appelé P de X, une expression en X, donnée comme ça par un déterminant n plus 1, n plus 1. On met parfois ici n plus 1 pour céder, pour se dire, ça c'est un déterminant de taille n plus 1, n plus 1. Alors regardez l'idée, c'est qu'on va développer par rapport à cette dernière ligne. Ici, là, vous la voyez cette dernière ligne, et même on va développer en partant de la droite. P de x va être égal à quoi? En développant ici, en commençant par ce facteur. Alors ce facteur, il doit être précédé d'un moins 1 exposant son indice des lignes et l'indice des colonnes. Mais son indice des lignes, c'est n plus 1, et son indice de colonne, c'est n plus 1. De toute façon, quand le coefficient est ici tout en bas à droite, lors d'un développement, il est toujours précédé de moins 1 fois un nombre pair. Ici, bon, c'est 2n plus 2. Ici, il y a x exposant n. Et à multiplier par le mineur qui est obtenu, qui est, alors là, regardez, je l'entoure, ce mineur obtenu en enlevant la ligne où se trouvent les x et la dernière colonne de la matrice. Mais ça, c'est exactement le déterminant qui est là. Donc c'est Vn de A1 à 2 jusqu'à An. Bon, ici, il y aura moins. Un x exposant n moins 1 fois des choses qui ne m'intéressent pas particulièrement. Ce que je veux dire, c'est que donc, en développant par rapport à la dernière ligne, on voit que p de x est un polynôme en x de degré n. Pourquoi de degré n? Parce que ça c'est non nul et que j'arrive à x exposant n. Et de coefficient dominant, justement, vn de A1, A2 jusqu'à AN. Voilà qui est intéressant. Alors, je vais effacer cette partie parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Là, ce que je viens d'écrire, VP de X est un polynôme de degré N et dont le coefficient dominant, c'est VN. Oui, mais de plus, on a vu que de plus, j'aurais peut-être dû le laisser écrit plus longtemps, mais enfin bon, quel que soit i appartenant à 1n, p de ai égale 0. En effet, si x est l'un des ai, notre déterminant a deux lignes égales. Donc, les ai sont les a1, hein, les réels. A1 jusqu'à AN sont les racines de P. Alors, vous voyez que elles sont deux à deux distinctes, elles sont en nombre N et lui est un polynôme de degré N. On en déduit que alors, quel que soit x appartenant à R, bien sûr, P de x, c'est son coefficient dominant, à savoir Vn de A1 jusqu'à AN,
multiplié par le produit pour 1 strict plus inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n des x moins a i. Hop. Et voilà. Et une remarque. Du coup, qu'est-ce que c'est que notre v numéro n plus 1 ça, c'est v n plus 1 de a1, a2. Je vais pas écrire le a2, peut-être pas. An, a n plus 1. Eh bien, dans ce cas-là, parce que c'est quand même là qu'il faut conclure la récurrence. P, c'était qu'un outil transitoire. Nous, ce que l'on veut, c'est le déterminant de van der Monde concernant les réels 1 jusqu'à an, plus un réel an plus 1 que j'introduis au passage, là, et qui se rajoute à ceux déjà, qu'on avait déjà en main. Eh bien, lui, il suffit de voir que ce déterminant van der Monde là, de taille n plus 1, n plus 1, c'est exactement celui qui est obtenu en remplaçant dans l'expression de P la dernière ligne. Là, vous remplacez x par a numéro n plus 1. Et donc, ça fait vn de a1 jusqu'à an, multiplié par le produit des 1 plus petit que i inférieur ou égal à n, des a n plus 1, moins AI. Mais ça, c'est ce que l'on veut. C'est exactement ce que l'on veut. Alors, avant de conclure l'exercice, parce que vous voyez, regardez, ça c'est des... Je vais finir en quelques lignes l'exercice. Je veux juste voir si ce que j'ai fait ici tient encore la route quand les réels sont... pas distinct, c'est-à-dire qu'il y en a au moins deux des réels 1, 1 jusqu'à la 2 sont égaux. Alors là, pour tout x, on a p de x égale 0. Pourquoi ? Parce que notre déterminant donnant p de x a déjà deux lignes égales, sans considérer la dernière. Mais le polynôme de... enfin, le déterminant de van der Monde Vn de a1 jusqu'à an, qu'on a supposé être égal au produit des aj moins ai, est nul aussi. Donc, l'expression qui était là est tout à fait valable encore. Pourquoi ? Parce que les deux sont nuls. Les deux sont nuls. Autrement dit, ce que l'on a fait au tableau est vrai ici, là, les dernières égalités, que ce soit celle-ci ou celle-là, là, celle-ci, là, en tout cas, est vrai que les AI soient deux à deux distincts ou qu'il y en ait deux égaux. Alors, terminons la récurrence. Je termine la récurrence en rappelant notre hypothèse. Vn de 1 jusqu'à n, c'est le produit sur tous les couples ij avec i strictement plus petit que j de aj moins ai. On a vu qu'elle donne dans les deux cas que les réels à 1 jusqu'à n soient 2 à 2 distincts ou non. Pour tout x appartenant à R, p de x, c'est Vn de 1 jusqu'à n fois le produit pour i égale 1 jusqu'à n des x moins ai. Quand les réels à 1 sont 2 à 2 distincts, ça c'est non nul. Et c'est nul, mais p de x aussi, si 2 des AI sont égaux. Alors, le lien avec ce que l'on veut montrer, c'est-à-dire le rang, l'égalité au rang d'après, si j'ose dire, si on crée un van der Monde de taille n plus 1 concernant les réels a1, an jusqu'à an plus 1, on l'a vu juste à la fin du dernier tableau, c'est le lien avec p, c'est que c'est p de an plus 1. Autrement dit, c'est Vn de A1 jusqu'à An multiplié par le produit pour i allant de 1 à n de An plus 1 moins Ai. Mais ça, c'est égal avec notre hypothèse de récurrence au produit pour 1 plus petit que i strictement plus petit que j plus petit que n. Des xj moins xj, non, des ai moins, hop, a, j moins ai, a, j moins ai fois encore le produit des an plus 1 moins ai, cette fois pour 1 plus petit que i plus petit que n. Alors, vous voyez que se rajoute ici
Tous les couples à n plus 1 i, avec i pouvant aller de 1 jusqu'à n. C'est-à-dire que là, on fait le produit des différences a, j moins i. Et cette fois, pour tous les couples 1 i strictement plus petit que j, inférieur ou égal à n plus 1. Ce qui achève la récurrence. On peut conclure par récurrence. Deux points. Alors, on a commencé à 2, allons-y, quel que soit n appartenant à n, ou quel que soit n supérieur ou égal à 2, le van der Monde numéro n concernant a1 à 2 jusqu'à à n, je vous rappelle que ça c'est le déterminant construit avec en première ligne les puissances successives de a1 jusqu'à la n moins unième, les celles de a2 idem, et puis finalement celles de an idem. Eh bien, ce déterminant-là vaut le produit pour sur tous les couples ij avec i strictement plus petit que j des différences à j moins ai. À retenir ce résultat-là. Hop, van der Monde. Alors, je vous ai rappelé en dessous ce que ça vaut. Voilà un déterminant fameux, à connaître en tout cas. Je reviens une seconde parce que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un petit thème ici. Attention, c'est important. Alors, on va poursuivre le TD en corrigeant l'exercice 13. Vous voyez que là encore, il y a des liens entre des déterminants et des polynômes. Attention à l'exercice 13, ça ressemble à un déterminant de van der Monde, mais ce n'en est pas un. Dans l'exercice 13, on considère 4 complexes ABCD et un autre complexe qui est le déterminant de la matrice 4-4 ainsi construite sur la première ligne 1 A carré. Attention à 4, 1 BB carré B4, 1 CC carré C exposant 4, 1 D carré D exposant 4. Vous voyez que ce n'est pas un déterminant de van der Monde qui aurait été celui où la dernière colonne aurait présenté A au cube, B au cube, C au cube, D au cube. J'en profite pour vous faire remarquer que tout ce qu'on a fait dans l'exercice précédent en utilisant des réels est valable avec des complexes. Donc en fait, l'expression du déterminant de van der Monde dans C est la même que dans R. Le résultat est valable dans C. Alors, dans la question 1, on vous demande de montrer que si on prend un polynôme P qui a certaines caractéristiques, on peut remplacer dans la dernière colonne du déterminant donnant delta A exposant 4, B exposant 4, C exposant 4, D exposant 4 par P de A, P de B, P de C, P de D. Alors, il faut bien décrypter quelles sont les propriétés de P pour faire cela. On nous dit P est un polynôme à coefficient complexe unitaire de degré 4. Donc ça veut dire que si on l'écrit en commençant par les puissances décroissantes, ça va commencer par x exposant 4, dont la somme des racines est nulle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur les coefficients de P? Si on note alpha 1, alpha 2, alpha 3 jusqu'à alpha 4, les racines, alors vous savez, pas forcément distinctes. Par exemple, si une racine alpha est d'ordre 2, on peut dire que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha. Voir alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale alpha si alpha est d'ordre 3, etc. Je vous rappelle ça pour vous dire que de façon générale, P étant unitaire de degré 4, il s'écrit x exposant 4 moins sigma 1 x cube plus sigma 2 x carré moins sigma 3 x 1 plus, alors je vais écrire x, oui, allez, x tout seul, et plus sigma 4, avec, je vous le rappelle, chaque sigma k est la kème fonction symétrique élémentaire des alpha 1, 2, 3, 4. Par exemple, qu'est-ce que c'est que sigma 1
C'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4. Et justement, c'est la somme des racines. Et donc ça fait 0 égale 0. Hop. Bon, après les valeurs de sigma 2, sigma 3 et sigma 4, bon, sigma 4, c'est facile, c'est le produit, hein, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Mais finalement, P, on peut l'écrire de cette façon. Et donc, P égale x exposant 4. Alors, peut-être en revenant à son coefficient numéro 2, a2 x carré plus a1 x plus a0 ou a1 a0 appartient à ce 3. Ça sera peut-être plus commode que d'écrire des alpha. Alors, regardons ce que ça signifie de mettre P en dernière colonne. P de A, P de B, P de C, P de D. Alors, on va écrire ce déterminant. 1, A, A carré, P de A. 1, A, B, pardon, B carré, P de B. 1, C, C carré, P de C. 1, D, D carré, P de D. On trouve le déterminant 1, A, A carré. Et ici, un terme qui est A exposant 4. Alors là, j'aurais pas dû les appeler A2, A1, A0. On va peut-être les appeler gamma. Gamma 2. Gamma 1, gamma 0, gamma 2, gamma 1, gamma 0, ou lambda 1, lambda 2, lambda 0, peu importe. Allez, gamma 2, gamma 1, gamma 0, puisque ici j'ai A4 plus gamma 2 A carré plus gamma 1 A plus gamma 0. Et de même pour toutes les lignes, 1, B, B carré. B exposant 4 plus gamma 2 B carré plus gamma 1 B plus gamma 0. Vous avez compris, 1 C C carré, 1 D D carré, avec à chaque fois la valeur de P en ici C, donc C4 plus gamma 2 C carré plus gamma 1 C plus gamma 0, ici D exposant 4, plus gamma 2 D carré, plus gamma 1 D, plus gamma 0. Oui, j'ai appelé finalement gamma 0, gamma 1, gamma 2, plutôt que... Bon, j'aurais pu garder les sigma d'ailleurs, enfin bon. Voilà le déterminant. Alors, est-ce qu'on a bien le déterminant voulu? Je dis oui, parce que regardez, en fait... par linéarité par rapport à la quatrième variable, on va pouvoir couper ce déterminant en 4. Celui avec 1, A1, A2 et A4, puis B4, C4, D4, plus gamma 2, celui avec en première colonne D1, DAB, CD, DA carré, B carré, C carré, D carré, mais aussi là, A carré, B carré, C carré, D carré. Autrement dit, après avoir coupé ce déterminant en 4, il y en a 3 qui vont être nuls. Et le seul qui va être non nul, ça va être delta. Je mets ça en place de l'autre côté. Je rédige ici le raisonnement qu'on a commencé. Pour calculer le déterminant qui est là, on a vu qu'on pouvait remplacer P de A, P de B, P de C par, respectivement, pour le premier, là, A4 plus gamma 2 A carré plus gamma 1 A plus gamma 0. On peut, idem pour B, idem pour C, idem pour D, on peut développer notre déterminant, hein. Ici, si j'appelle C0 cette colonne, C1 celle-ci, C2 celle-là, en référence aux puissances bien sûr, et C4 celle où il y a A4, B4, C4, D4, on a un déterminant de la forme C0, C1, C2, puis C4 plus gamma C2 plus gamma 1 C1 plus gamma 0 C0. Alors, quand on développe par linéarité par rapport à la dernière variable, on a le déterminant de C0, C1, C2, C4,
gamma 2 fois le déterminant de C0, C1, C2, C2, mais ça c'est 0 à cause de la présence de C2 deux fois. Ici vous allez avoir gamma 1 déterminant de C0, C1, C2, C1, qui est nul aussi. Et enfin gamma 0 déterminant de C0, C1, C2, C0, qui est nul également à cause de la présence double de C0. Donc là, il va venir déterminant de C0, C1, C2, C4, à savoir avec nos notations 1, 1, 1, 1, A, B, C, D, A carré, B carré, C carré, D carré, A exposant 4, B exposant 4, C exposant 4, et D exposant 4, à savoir égal delta, ce qui était le résultat voulu. Donc, dans le calcul de delta, on peut remplacer la dernière colonne par les valeurs en A, B, C, D d'un polynôme unitaire de degré 4 dans la somme des racines est nulle. Alors, en déduire la valeur de delta. A priori, il est plus compliqué, si vous voulez, de calculer ce polynôme pour un ce déterminant pour un polynôme quelconque plutôt que celui-là. Sauf si on choisit intelligemment le polynôme P. Alors, choisir intelligemment le polynôme P, c'est mettre le plus de zéros possible sur la dernière colonne de ce déterminant. Est-ce qu'on peut avoir P de A, P de B et P de C et P de D, toutes les quatre nulles? Non, certes pas, puisque certainement pas, non, P est de degré 4 et unitaire. En revanche, on peut s'arranger pour que P de A, P de B et P de C soient nuls. Je m'explique. Tel que P de A, on va essayer de faire en sorte que P de A égale P de B égale P de C égale 0. Tout à l'heure, j'ai dit certainement pas, en tout cas si A, B, C, D sont deux A2 distincts. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre X moins A, facteur de X moins B, facteur de X moins C. Et voilà la limitation. C'est qu'ici, je ne peux pas mettre comme ça x moins d parce que je veux que la somme des racines soit 0. Et si a plus b plus c plus d n'est pas nul, ça va pas marcher. Donc là, je vais imposer que la dernière racine soit l'opposé de la somme déjà construite, c'est-à-dire a plus b plus c. Pour ça, il faut mettre plus a plus b plus c. Alors là, les racines de ce polynôme sont A ici, B là, C, et moins A moins B moins C. Et donc la somme des quatre racines de ce polynôme est bien nulle. Alors, il vérifie les conditions. On peut remplacer ici P de degré 4 unitaire, et la somme de ces racines est nulle. P est bien unitaire. Est unitaire de degré 4 dans la somme avec une somme de racines et la somme de ses racines et la somme de ses racines est nulle. Donc delta égale, on peut appliquer notre calcul. On garde nos premières lignes, 1, 1, 1, 1, A, B, C, D, A carré, B carré, C carré, D carré, et ici on met P de A, mais P de A c'est 0, on a choisi pour ça. P de B, mais P de B c'est 0. P de C, mais P de C c'est 0. Alors, P de D, P de D, là, il vient un terme, je vais l'écrire, P de D, ici, tout simplement. Mais vous voyez, alors je vais l'écrire, hop, parce que ça, sinon ça va être un petit peu long. Alors maintenant, on a ici une colonne presque complètement remplie de zéro. On va bien sûr développer par rapport à celle-ci. Alors, ça fait, bon, vous voyez que le seul terme qui va sortir, c'est P de D, muni d'un plus 1, parce qu'il est en position 4, 4, et multiplié par le mineur, ici, 4, 4. Autrement dit, ça va faire P de D, multiplié par le 1, A,
A carré, 1, B, B carré, 1, C, C carré. Mais qu'est-ce que vous reconnaissez? Le déterminant de Van der Monde de dimension 3 concernant les réels ABC. Et P de D, bah, il suffit d'écrire D moins A, D moins B, D moins C, A plus B plus C plus D. Bon, je n'ai pas la place, j'écris ça juste de l'autre côté, mais ça y est, ce bon choix de P, en fait, a simplifié le calcul du déterminant en amenant comme ça des zéros sur une colonne, en permettant le développement par rapport à cette colonne, et finalement, une expression à la fois simple et factorisée. Ça, c'est quelque chose d'assez courant, hein. Faire en sorte qu'une colonne se remplisse d'un grand nombre de zéros, puis ensuite développer par rapport à ceci. Colonne ou ligne, hein, d'ailleurs. Allez, on termine l'exercice et on fait le dernier ensuite. Je conclue l'exercice 14 en vous rappelant, la valeur du déterminant du Van der Monde 3-3 concernant les réels, les complexes, pardon, A, B, C, c'est B moins A, C moins A, C moins D. Donc avec notre expression, ça nous donne delta égale B moins A, C moins A, C moins B fois P de D. P de D, bon, bah, vous évaluez P en D, il vient D moins A, D moins B, D moins C, et là, il vient D plus A plus B plus C, D plus A plus B plus C, que j'ai préféré écrire A plus B plus C plus D, bon, je sais pas pourquoi, comme ça, hop, pour respecter l'ordre alphabétique. Donc finalement, voilà notre déterminant delta. Vous voyez que ce n'était pas le Van der Monde 4-4 concernant les complexes, pardon, ABCD. Il y a notamment ce terme ici qui vient en plus. Alors, l'exercice 14 est un exercice qui est un modèle, si vous voulez, à bien connaître, des déterminants qui s'expriment à l'aide d'un entier N et qu'on peut calculer, disons, par une relation de récurrence. Alors, qu'est-ce que c'est que Dn? Dn est un... Alors, j'ai mis, comme dans un exercice précédent, un petit n ici, pour nous rappeler que la matrice tracée au tableau, pardon, c'est une matrice nn. Elle a des 2 sur sa diagonale, des 1 sur sa surdiagonale, des 1 sur sa sous-diagonale, et des 0 partout ailleurs. Dans ces cas-là, peut-être faisons les premières valeurs de D. D2, c'est le déterminant de 1, 1, 2, comme ça. Ça vaut 3, hein, 4 moins 1. D3, qu'est-ce que c'est que D3? D3, c'est le déterminant de 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2. Alors regardez, bon, on pourrait faire un calcul direct si vous voulez, mais avec mon introduction sur l'aspect récurrent, l'idée c'est de écrire ce déterminant 3, 3 à l'aide de déterminants 2, 2, dont celui qui précède. Eh bien ça, on le fait en développant par rapport à la première colonne, par exemple. Ça, c'est 2 facteurs du mineur qui est là, 2, 1, 1, 2, ici, moins 1 facteur du mineur obtenu en enlevant la première colonne et la deuxième ligne, à savoir 1, 0, 1, 2. Bon, on peut faire le calcul, donc ici, il vient 2D2, 2D2, moins 2, hein. puisque ici, ça fait 2. Bon, je donne la valeur exacte, 2D2, ça fait 6, ça fait 4, mais l'idée, c'est plus le développement. C'est ça que je veux mettre en avant en développant DN suivant la première colonne. On va essayer de trouver, comme on l'a fait en partie pour D3, une relation de récurrence. DN égale, alors là par contre ça c'est assez vrai, regardez, hein, si vous enlevez la première ligne et la première colonne, il reste bien une matrice de taille n-1 qui a exactement la même forme que la précédente, des 2 sur la diagonale, des 1 sur la surdiagonale et des 1 sur la sous-diagonale. Autrement dit, il y a le 2 qui est là et le mineur 1-1, c'est des numéros n-1.
Ici, on va écrire pour n supérieur ou égal, allez, à 4. Comme ça, on aura au moins 4 objets. Ensuite, il vient moins 1 fois un déterminant qui est alors un peu plus délicat à voir. Regardez, il s'agit mentalement d'enlever cette colonne. Ça, c'est fait, mais aussi cette ligne-là. Donc, sur la première ligne, il vient 1 et que des 0. Sur la ligne d'en dessous, il vient 1, 2, 1, puis on continue nos 0. La ligne encore en dessous sera remplie de 0, 1, 2, 1, etc. Donc à partir de là, on retrouve nos 2 sur la diagonale, nos 1 sur la surdiagonale et nos moins 1 sur la sous-diagonale. Hop, sachant qu'ici, ça c'est un déterminant de taille n-1. Hop, hop. Oui, mais il est de taille n-1, mais regardez sa première ligne, c'est 1 et que des 0. Alors là, si on développe par rapport à cette ligne, c'est une fois le mineur qui est là. Et celui-là, alors je vous le fais remarquer, regardez, celui-là, là, tac, tac, hop, ça c'est la matrice précédemment écrite, mais alors cette fois au rang n-2. Il y a, c'est le mineur cette fois est de taille n-2. Alors j'écris ça juste derrière, hein, puisque on n'a plus la place, mais visiblement, la relation de récurrence c'est dn égale 2 indice n-1 moins d indice n-2. Attention, hein, ici il faut encore développer par rapport à la première ligne ce deuxième déterminant. J'écris ça et eh bien on conclut. J'écris ce que nous venons de dire en développant le dernier déterminant du tableau précédent suivant la première ligne. On a alors, quel que soit n supérieur ou égal à 4, d indice n, c'est 2 d indice n moins 1 moins d indice n moins 2. Donc vous voyez que la suite dn n supérieur ou égal à 2 est donnée par ces deux premiers termes qu'on a calculés, D2 et D3, et par une relation de récurrence, linéaire d'ordre 2, qu'on a vu dans un polycopier assez récent, donc une relation de récurrence linéaire d'ordre 2. D'ordre 2, l'équation caractéristique associée associée à cette récurrence, c'est, gardant les notations du polycopier, c'est donc il vient q carré égale 2q moins 1, ce qui équivaut à q carré moins 2q plus 1 égale 0, ce qui équivaut à q moins 1 le tout au carré égale 0, et donc finalement notre équation n'a qu'une solution, q égale 1. On sait qu'il existe alors un couple lambda mu appartenant à r carré tel que, alors, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on va avoir dn égale lambda plus mu n multiplié par notre solution, là, q. Alors là, elle est très spéciale, hein, c'est 1, le tout exposant n. Du coup, comme l'unique solution de l'équation caractéristique est 1, on va avoir un déterminant qui s'exprime de façon affine par rapport à n, lambda plus mu n. Il suffit de calculer donc les valeurs de d2 et d3 pour avoir lambda et mu. Alors, d2, c'est lambda plus 2 mu, et de mémoire, ça fait 3. D3, lambda plus 3 mu,
Et de mémoire, ça fait 4. Si on fait la différence, si on fait la différence des deux lignes, on a mu égale 1. Et si mu égale 1, ça fait lambda égale 1 aussi. Alors, ça donne une expression particulièrement simple. Ainsi, deux points, quel que soit n supérieur ou égal à 2, d'indice n, eh ben c'est n plus 1. 1 plus n. Allez. N plus 1. Alors, bon, l'expression finale est simple. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas tellement ça, c'est plus le fait de la forme du déterminant invité à exprimer le dn en fonction des d numéros n-1, voire n-2. Donc, créer une relation de récurrence entre un ou plusieurs des déterminants d'ordre n successifs. Voilà qui clôt les exercices sur les déterminants. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo de cours sur le nouveau chapitre « Produits scalaires ». À bientôt.